Bonjour à tous et bienvenue sur Gamingozo et je suis Nino et je serai à votre hôte pour cette nouvelle vidéo sur Crusader Kings 2. Alors vous allez vous dire, oh là, ça fait un bail. Et effectivement, ça fait un bail que je suis pas retourné sur ce jeu là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait d'autres projets qui étaient sur le feu. Que le jeu plante aussi, hein. Faut savoir que j'ai mis 5 fois avant de pouvoir le redémarrer. Encore des mises à jour à la con qui ont cassé le jeu en deux, voilà. Là il est encore en train de planter. J'espère que la vidéo pourra tout de même se faire, hein. Ouais, ça a l'air, je sais pas. Mais le jeu est vachement buggé, ça c'est quelque chose, ça commence à me saouler. Alors, on se retrouve là en CTDC la dernière fois, et à vrai dire je me souviens plus du tout. Je crois qu'on était en guerre avec nos potes. Ouais. On avait rejoint notre pote de Francie Orientale contre le reste. Et je crois qu'on allait se faire défoncer. Et en même temps, on avait rejoint roi Bjorn de Zwipod contre lui. Mais qui es-tu toi pour qu'on t'ait rejoint? Un pacte avec toi, ok, tu es. Donc d'accord, on avait passé eux en tribu plutôt que les conquérir entièrement. Ce que rappelons-nous pour faire un petit rappel rapide. Nous sommes devenus chrétiens. Et à cette occasion, un des viewers m'a dit qu'il serait plus utile maintenant, plutôt que d'organiser un pillage, de renforcer les troupes. Et bah sache que c'est ce que j'ai fait lors du dernier épisode, mais tu n'as peut-être pas vu. Mais merci de ton conseil, je l'ai pris en considération. Moi les conseils, je les écoute, y a pas de problème. Donc au niveau religion, on en est où? On en est pas loin, hein. C'est clair que la chrétienté, ça viendra pas tout de suite. Donc au niveau... Bon là on n'a pas de thune, mais au niveau des forts, on m'a très bien dit ce qu'il fallait augmenter. Donc les forts de colline en terre. Ce que j'ai pas fait. Parce que j'ai pas de thune et on avait plus de prestige. Qu'aujourd'hui on n'a pas, faute de... Bah faute de pouvoir piller à nouveau, hein, parce que les pillages c'est fini. En théorie, on m'a dit qu'en tant que chrétien, je ne pouvais plus piller. Mais, voilà, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que tu ne t'es pas trompé, cher viewer? Parce que pour moi, c'était la culture nordique qui faisait qu'on pouvait piller et non pas la religion. Est-ce que tu ne te serais pas trompé? C'est la question que je me pose. Parce que la religion... Non, ce n'est pas la religion qui permet le pillage. C'est bel et bien la culture. Donc je pense que tu t'es trompé, cher viewer. Mais je ne t'en veux absolument pas. Hein. Tout le monde fait des erreurs. Moi-même, j'en ai fait. Donc au niveau des règles, je regarde un petit peu où on en est. Que je me rappelle. Le conseil était plutôt satisfait. Zélote, arriviste, pragmatique, puis loyaliste. Donc on va relancer ça. Donc niveau thune, on n'avait plus rien. On n'a plus une thune. C'est la merde. On se fait à moitié attaquer de tous les côtés. Mais on peut pas lever les armées parce que justement on a plein de thunes. Donc on va laisser... attendez, je regarde l'heure, chose que je n'ai pas fait avant de commencer. C'est reparti, je vais faire deux épisodes de suite, hein, je vous préviens. Donc les commentaires je les prends en considération. Mais du coup ils seront pour l'épisode 7 puisque je vais faire le 5 et le 6. Alors pack de non-agression, on s'en fout. C'est tout ce qui m'intéresse pour l'instant. Alors que vous êtes un bon combattant... Oh. S'entraîner afin de devenir un guerrier, c'est cool. C'est bon d'être connu. Ah oui, plus de prestige, ça c'est cool. Alors, ma technique de jet impressionnera tout le monde. Oui, bah oui, tout à fait. Espérant blesser personne. Merde! Oh non, t'es sérieux là? Bah j'étais déjà mutilé, bah j'y suis encore plus. Je sens que ce perso va vite mourir. Hein. C'est... Il était déjà pas terrible, mais lui est bien. Son problème, il est frêle. Mais il est ambitieux et courageux, et ça c'est cool. Après, il me semble qu'il avait rejoint, voilà, la garde Varag. Pourtant, il est toujours mon héritier. Faut savoir qu'on a deux filles. Elle est trop vieille pour me donner un autre fils, donc on n'aura pas de partage. Voilà, on a gagné des caractéristiques de guerrier. Donc, mon maître espion est mort, donc remplaçons-le par un vassal pas très content. Genre toi, parce que sinon tu vas me faire chier. Dévoile-moi les complots. Alors, qui on peut emprisonner? Toi, pourquoi? T'as pas nié de manière honorable, c'est une chose, mais... Meurtrier reconnu. Oui, bah je sais pas qui t'a buté, mais... Hein. Alors, les prisonniers, j'en ai déjà deux. On va attendre la fin de la guerre. Ça sert à rien de le faire maintenant. Ah d'accord, je dois déjà 350 aux usuriers juifs.
Et on est à sec. Donc clairement, c'est la merde. Que je me remémore un petit peu. Là, normalement, la guerre devrait bien se passer. Ils ont plus de troupes. Je pense qu'ici, il n'y a plus personne. Ah si, ils sont encore nombreux. Bah, je vous souhaite de gagner, hein. Moi je ne peux pas intervenir directement parce que je n'ai plus de thunes, hein. C'est la banqueroute. Malheureusement. Alors, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc à savoir que maintenant je vais essayer de vous faire du Crusader Kings Day plus régulièrement. En termes général, je vais essayer d'être beaucoup plus régulier sur les vidéos. Parce que c'est vrai qu'en général vous en avez une à deux par semaine. Ce qui est bien, vous me direz. Mais par exemple, je vais vous balancer sans or du Hearthstone, du Starcraft, du Crusader Kings 2. C'est vrai que je ne suis pas une régularité, ce qui fait que pour ceux qui attendaient la suite de Crusader Kings 2, effectivement, ça fait beaucoup de temps que vous l'attendiez, quoi. Contrairement à ceux qui voulaient du Hearthstone, ça fait moins de temps qu'ils l'attendaient, voilà, enfin vous comprenez. Donc là, ils vont se faire massacrer, et c'est le tournant de la guerre, je pense. Ah, une pâtisseuse de fortune qui était mariée au roi de Bavière. Ah ouais, mais roi de Bavière qui est actuellement mon ennemi, si je dis pas de conneries. Non, c'est Asturies. Roi de Bavière, c'est mon allié. Donc maintenant qu'on est chrétien, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose, puisque nous allons pouvoir, effectivement, créer des pactes. Et pour l'instant, on en a. Bon, lui, forcément, c'est mon tributaire, mais eux, ce sont mes alliés. Là, ce sont des pactes de non-agression, ça, on s'en fout un petit peu, mais les alliés, ça c'est très important, ça nous permet d'avoir des bonnes ressources. Donc toi, de quoi tu te plains? Tu te plains de ne pas être dans le... T'as 391 troupes, pardon, ça je voulais le fermer. Oui, t'es pas spécialement dangereux, tu te rebelles pas. Franchement... À former un nouvel empire, on s'en fout. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est adopter le féodalisme, pardon. Posséder un fort en pierre dans la tribu de Geland, c'est un objectif. Le type de fief est château. Non, ça faut pas que ça ne soit. Bon, faut qu'on soit en paix aussi. L'autorisation tribale absolue, ce qui va être dur à mettre en place. Parce que je pense que personne n'est pour. Ah si, il y a quand même deux personnes pour, les évêques. Mais les autres ne sont pas très pour. Révoquer un titre, il y a deux opposants. Bon, pas non plus. Hein. Partisans, indécision. Enfin, ça, en soi, en fait, ces trois-là ne servent à rien. Puisque ce qui nous intéresse, c'est ici. Est-ce que les tribaux vont vouloir? Non. Là, pour le coup, ils sont tous opposés. Ça sert à rien d'essayer de le faire passer. Elle passera pas. Donc là, cette guerre-là va se finir par une défaite. Hein. Nous, on avait dit oui, juste pour pas perdre du prestige, mais en gros, on s'en foutait. Et celle-là, par une victoire, en sachant que c'est une défense de territoire. Quelqu'un pourrait créer le duché de Scanie, ça nous intéresse pas, parce que de toute façon, on n'a pas d'argent. Perdre 500 prestige, bon, ça nous intéresse pas. En tout cas, on a fait une très bonne guerre en les mettant en tant que sujet. Parce que c'est un royaume en pleine expansion. Et je pense qu'on pourra s'attaquer à des plus gros royaumes. Le seul problème, c'est que maintenant, on ne peut plus agrandir notre territoire via tout simplement des guerres de voisinage. Ce sera de la guerre sainte. Et la guerre sainte, bah, tout le monde peut les rejoindre. Si eux sont pas contents, ils peuvent venir nous casser la gueule. Malheureusement. Bon, ça me ferait plaisir que toi tu abandonnes, puisque de toute façon la guerre est finie. Hein, concrètement, t'as perdu. Ce qui m'emmerde un peu plus, c'est que moi je suis blessé, je suis pauvre, et en plus je suis un meurtrier. Concrètement, je suis un connard. Hein. J'avais buté mon frère, je m'en souviens pas. Hein. Mon père s'était fait buter dans une bataille à la con. Ah si, je me souviens, on avait perdu des persos. Voilà. C'était un petit peu la merde quand même. Peu beaucoup. Alors, l'Angleterre, comment elle se débrouille? Ça va, elle résiste aux hordes de Vikings, la France, l'Italie est en pleine, faire un petit check-up, la Bulgarie s'en sort bien, l'Empire byzantin, ça va, le Mali qui se développe, les Coumans et la Khazarie qui se tapent toujours dessus, les Kirghiz qui se font envahir. Ah, là c'est encore un petit peu en indécision, on ne sait pas qui en ressortira. En tout cas, nous, notre but, ça va être maintenant d'être l'ennemi d'Auckland 7. Parce que Auckland 7 a vachement grossi. Et le nord sera à nous. C'est l'objectif. Mais. L'objectif peut aussi se tourner vers la Terre Sainte. Maintenant que nous sommes chrétiens, il se pourrait que lors d'une possible croisade, nous allions capturer Jérusalem. Ah, population
qui est devenu catholique, ça me plaît. Et toi, tu deviens nordique, pourquoi t'étais quoi? Je sais pas ce que t'étais, mais ça me fait plaisir. Alors d'ailleurs, on va en profiter pour regarder. Hop. Zélé contre sympathie envers les. Oui, mais ça c'est normal, c'est normal. Désir un siège au conseil, oui, mais je peux pas tout faire. Alors, attrait glouton, lâche, mutilé. Doit 350. Normalement, on est bon là. On a tout ce qu'il faut. Les vassaux sont à peu près contents. Ce qui m'énerve, c'est un peu lui. Toi, tu te situes là. Est-ce qu'on n'enverrait pas? Comment ça, t'es. Tu mènes des troupes? Non. T'es déjà nul à chier, tu vas pas en plus mener des troupes. Hein. Hop. Tu vas améliorer mes relations ici. Donc, implanter une tribu, oui, ça on essaye. Les comptes dans là. H/Wick, c'est où H/Wick? C'est là. C'est toujours germanique. On va essayer d'augmenter tout ça. On va attendre que les guerres se finissent. Hein. Pour l'instant, ça va être assez. Ça va être beaucoup de parlotte et assez peu de gameplay. Parce que tant qu'il y a des guerres, en fait, on est bloqué. Parce que là, on peut pas y aller. Là, on n'a pas envie, surtout. On n'a pas envie de perdre des thunes. Et après, on ira continuer les pillages. A perdu sa faction. Ça, pardon, sa fonction de conseiller auprès de Roi Knud. Tu m'étonnes, il est mort. Alors, qui va devenir? Ah ouais, mais on en a des titres à donner. Oh, c'est sérieux là, un mec avec 3 qui est commandant. T'en as vraiment des commandants de merde. Hein. Autant les Vikings d'habitude, ils sont bien que là. C'est bon. Le Sénéchal, quelqu'un avec des mauvaises relations, si possible. Je pense plutôt à toi. Les chansons. Toi. Le grand aumônier. Toi. Le veneur. Toi. Le gardien des signes. Toi. Le bouffon, non, l'eunuque non plus. Le régent, ça on met pas parce que j'ai pas envie d'avoir un régent. Donc conseiller, on a une place. On a une place de conseiller. Et toi, tu voulais un siège au conseil. Ah bah voilà, c'est nickel. Et donc nous avons fait l'acquisition d'un nouveau loyaliste. Ça c'est cool. On a deux loyalistes. C'est pas mal. Titre mineur, en tout c'était dispersé. Donc oui, on est vraiment gêné par ces guerres, mais ça devrait pas tarder à se finir normalement. Ah, taux de renfort des troupes, ça c'est cool. Là, la thune qui remonte un petit peu en attendant. Le cercle de compromis Einstein a été éradiqué. Ah, ça c'est cool. Parce qu'il devait y avoir des trucs à cause de ma pauvreté. Groupe religieux différent, groupe religieux différent. Donc ça c'est à nous, tout ça c'est à nous. D'accord, tout ça c'est à nous. On a toute la partie du Danemark. Et cette partie plutôt suédoise. Ah, excusez-moi, alarme à la con, ta gueule l'alarme. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Alarme, tu dégages. Donc tout ça c'est nos alliés et tout ça c'est nous. Clairement, le prochain à tomber, ça va être Vestergotland. Hein. La vie, ils sont pas beaucoup. Pacte avec qui? Non-agression, on s'en fout. Allié avec le chef de Homgerland, Gotland et Laponie. Ogermerland, c'est quoi? Laponie. Laponie, c'est là. Ah, les vassaux, d'accord, c'est que des vassaux. Donc en gros, il a rien. Mais, faut savoir que lui pourra le rejoindre. Lui, pas beaucoup de troupes. Ok. Ce serait pas le moment de l'attaquer par hasard? Parce que là, il a pas mal de choses de perdu. Et je pense qu'on pourrait, récupérer Ostland 7. Hein. Ce serait pas mal. Et eux? Ouais, ils ont vachement plus de troupes. Hein. Est-ce qu'on profiterait pas de l'affaiblissement? Ou tout d'abord que ces putains de guerres se terminent? Allez, allez le douiller là, comme ça les guerres sont finies. Parce que les guerres qui durent trop longtemps, ça m'énerve. Clairement, ça sert à rien. Et je suis en manque d'argent. Voilà. En 71, vous pouvez abandonner concrètement. Je viendrai pas vous aider. Parce que là, l'élever, ça me coûterait combien? 4,74 et on gagne 1,61. Effectivement, c'est pas glope. Alors toi, de quoi tu te plains? Pourquoi on a des mauvaises relations? Juste parce que t'es un con, d'accord, j'ai compris. Donc clairement, ouais, Ostland 7, je pense que là, le conseil en plus est pour. On pourrait les rendre tributaires.
Ce serait franchement une bonne idée. Mais je pense qu'on va faire ça. En plus, on a le royaume de Francie orientale, le royaume de Bavière avec nous, plus... comment il s'appelle lui? Je sais pas son nom, je crois que c'est Jvipod, je sais plus. Ok, c'est parti pour la guerre sainte. On va appeler nos alliés. Hop, ils vont tous venir. On va appeler nos autres alliés, peut-être, bien sûr, des tributaires. On va lever nos troupes. Ça, on l'a fait. Et on va partir en guerre. Espérant qu'il n'y ait pas trop de monde qui va les rejoindre. À solliciter l'aide de toi. C'est pas important. Parce que s'il y a trop de monde qui les rejoint, on sera un petit peu mal. J'aimerais que ce soit une guerre assez éclair quand même. Parce que sinon, on va avoir du mal à tenir en termes de thunes. Hop, c'est parti. Ah, on est trop, putain, ah oui, c'est vrai, on est sur le siège des païens. Et les païens, voilà, il faut 1k5. Et là, il faut 1k. Là, il faut 450, bah oui, bien sûr. Allez, c'est parti, va ici. On n'a pas un moins gros stack. Hein. C'est impossible. Putain, tout ce qu'on perd, quoi. Juste en se posant sur leur truc. Hein. C'est hallucinant les avantages qu'ont les païens. Mais nous ne le sommes plus, nous sommes désormais civilisés, nous sommes chrétiens, pardon. Nous faisons partie du christianisme. Des raiders arrivent sur notre territoire, ouais, bah, faites-vous plaisir, je m'en fous. Alors, accepter l'appel aux armes de roi Arnulf l'Intrépide contre Widow les Bravora se résorte. Raison de leur alliance, roi, vous n'avez pas d'autre choix. Ah, faites chier. Avant, on pouvait répondre non en perdant du prestige, maintenant j'ai l'impression qu'on peut plus répondre non. Alors, le but c'est de gagner au plus vite de la thune. Hop. Je devrais me calmer. Ah, ça c'est bien, on perd coléreux. Et à 11%, ce serait cool que ça monte vite. Parce que là, il y a pas mal de monde qui est en train de nous arriver sur la tronche. Là, on va descendre. Là, on va aller là. On va plus descendre. Ici. Ah mais ils ont plein de guerres à la con hein. Bon, ça me gonfler ça. On a emprisonné quelqu'un. Même Majan qu'on a emprisonné. Viens ici. T'as raison, viens me défier. On est 2000, est-ce qu'on tenterait pas le combat? Je pense que c'est le bon moment. Oui, faut y aller. De toute façon, on est en train de perdre à cause de la saturation des terres. Ah merde, on a un point négatif. Allez, ça passe, ça passe, ça passe. Ah, ça passe pas, putain. Merde. Ils ont appelé trop de monde hors fort. C'est chiant, ça. Est-ce qu'on irait pas, maintenant qu'on a de la thune, par le plus grand des hasards, c'est ouf. Lever une armée tribale. Hop. Plus 2500 hommes. Ça c'est cool. Le seul problème c'est qu'on peut pas naviguer dans leur terre quoi. C'est chiant ça. Ah c'est devenu un garde Vareg. Ça c'est cool. Un bon guerrier. Ah bon on va se rendre ici. J'aimerais bien quand même leur rouler dessus. Ce serait nice, mais on va perdre beaucoup à cause de la saturation des lieux, quoi. Alors, mettez-y mon fils. Non, je peux pas. Dommage, c'était un très bon. Allez. Allez, je vous attends. Bien, allez, bande de tapettes. Ah, ils ont fui, les lâches. J'espère que je vais pas trop perdre. 4000, ah putain j'ai perdu 300. Enfin 200 et des brouettes.
3900. Ah, ça perd encore. Voilà, on a perdu la guerre de Francie. Ils vont peut-être se tourner vers chez moi maintenant. Allez, allez, ça pousse là. Putain, mais t'es sérieux? On a l'avantage et on perd, c'est une blague. Ah, ça m'énerve ça. On a l'avantage et non, on perd quand même. C'est une énorme blague. Deux fois plus nombreux et on se fait quand même raser la tronche. On a perdu quoi? Un maréchal. Tiens mon fils, sois maréchal. Forme des troupes. Hop, c'est important. C'est qui des pillards. On les laisse piller. On vous emmerde pas plus que ça. C'est eux que j'aimerais choper. Ils arrivent le 18 janvier, on arrive le 18 janvier. Y'a quoi comme avantage? L'armée attaquante aura un sérieux handicap. Fais chier quoi. Erdjal, y'a quoi? Ah mais y'a des fleuves partout en même temps. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est une blague. Hein. Je suis obligé d'attaquer parce que si je dégomme pas cette armée là, on va avoir un énorme souci. Il faut dégager cette armée. Allez, non mais, hey, vous voyez comment la barre elle a disparu, hein. 1600 qui s'est fait ravager comme ça, c'est une blague. Hein. C'est franchement une blague. Hein. Maintenant, on va avoir encore plus de mal, hein. Moi je peux vous le dire. Au moins, on a gagné de la thune. C'est l'avantage. On a gagné pas mal de thunes. On va diminuer et remonter. Hop. Alors, lever Lost. Pourquoi on est en guerre contre eux en fait? Ah, d'accord, ils sont attaqués par un. Par un autre. Et ils peuvent pas se démerder. Voilà, ils ont des troupes qui se démerdent tout seuls. Moi j'ai mes guerres à faire, hein. Chacun son problème. Est-ce qu'on irait pas à relever, moyennant un petit peu de prestige? Ou alors des mercos? Pas des mercos pas chers. 500, 1500. Ouais, non, c'est trop cher. C'est correct. Hop. Profitez d'avoir de l'argent. Et si cette fois-ci on perd, alors là, je me tire une balle. Hein. Peut-être pas déconner non plus. Tribu de Ramfer. Oui, ça va, t'inquiète. TKT. J'arrive. On va perdre énormément. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'usure. Voilà, j'appelle ça à la limite, mais ça s'appelle de l'usure. Ils sont le 15 août, on y sera le 20 août, ça sert à rien. Récupère d'abord ça. Et ensuite, t'y vas. Il sera le 10 septembre. Ils sont le 10... On va les choper. Et si là je perds, là je me coupe les couilles. Dieu merci, je ne serai pas un eunuque. On a capturé pas mal de monde, maintenant on va splitter. Toi tu poursuis, toi tu vas là. On a perdu encore pas mal quoi. Va ici s'il te plaît. Là on est bien en place. Ouais, mais on a trop de monde. 15 novembre, on y sera le 22. Non, vaut mieux revenir sur nos pas. Tu n'es plus un chapelain. Ben, ce sera toi. Hop, fais du prosélytisme. Tu peux rester là, ben, reste là. Ça va être combien? 1500, on va pas perdre beaucoup. Ça va. Et pourquoi tout à coup on peut plus? Ça passe à 1500 comme ça sans prévenir. Hop, reviens là. Ça m'énerve parce que là on avait la position, on est obligé de la quitter à cause de l'usure quoi. L'usure qui est vraiment fat. Putain, on est passé à 1100. Eh, c'était 1500, maintenant c'est 900, c'est pas abusé ça? C'est vraiment une coup dans le pâté quoi.
Alors, où est le problème? Les batailles. C'est un petit peu fait à voir. Au niveau de l'occupation, on est bien. Hein. Le problème, c'est qu'on peut pas se permettre d'arriver par la mer, quoi. Et si on arrive par là, on va avoir des gros soucis. Que j'ai peur, en fait, qu'ils nous retournent encore. Comme ils l'ont déjà fait. Normalement, non, il y a que deux fleuves, ça va. Allez, dis-moi qu'on y sera. Tant. Ah non, 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 il y a 3000, on se casse. Et on a encore perdu 700 à cause de l'usure, quoi. Abusé, hein. Cette usure qui nous encule vraiment, quoi, c'est... dingue. Et les Germains, là, ils peuvent pas venir m'aider par hasard, non? Ça leur dirait pas... Appel aux armes, pourquoi? D'accord, on peut pas leur faire appel, ça sert à quelque chose d'avoir des alliés. Hein. Ah, la Bavière, par contre, eux, ils sont venus nous aider. Ils ont fait un petit carnage, parce qu'ils ont des unités évoluées. Hein. Nous, on rappelle qu'on est qu'une organisation tribale. Eux, ils sont déjà au-dessus de ça. C'est sérieux, ils vont... Ah, j'allais dire. Vous voyez, hein, ils s'en foutent un petit peu. Ah, je deviens infirme. Le régent désigné, ce sera mon fils. Oui, le conseiller. Non, mettre fin à un complot. Si une coupe est chargée de position, accorder un titre à nos vies. Tu seras mon régent, ça c'est sûr. Je ne veux pas d'un autre. Et là, ils ont un gros stack. Ils ont appelé beaucoup de monde, quand même. Ça plaît beaucoup de monde là. C'est assez relou. C'est pour ça que je vous dis, les guerres saintes, ça va être la merde. Hein. Très honnêtement. Hein. Mais là, la Bavière, vous allez perdre énormément là. Qu'est-ce que vous foutez? La montée du schisme, on s'en fout. Ça se passe chez les Arabes. C'est très très loin de chez nous. Ça n'a pas d'intérêt. Les Bavarois qui vont quand même nous donner la victoire. Alors on va scinder. Split. Tu es Sigurd Knusson, c'est mon fils ça. Mon fils que t'essayes de buter, non? Ouais ouais, c'était mon fils. Hein. Espèce de petit connard. Hein. Il est toujours à 39% à cause des batailles qu'on a perdues. Mais la Bavière qui nous fait plaisir, hein, ils sont venus nous rejoindre, ils ont donné un gros coup de pouce. Et normalement on est censé avoir eux là. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ok, ils sont toujours en train de défendre contre l'hôte. Parce qu'ils ont 6300 troupes qui dorment, ça aurait été cool de les utiliser chez nous. Pour le coup. Hein. Mais vraiment. Ah, converti à la foi catholique, ça c'est cool. On a quasiment la moitié du royaume qui est... Pardon? Pardon? C'est à moi ça. C'est à moi ça. C'est à moi ça. Attendez là. C'est quoi ce bordel? T'envoyer un petit cadeau toi. Putain. Regardez là, j'ai perdu un comté, ça me saoule. D'où est-ce que j'ai perdu ce comté là? Ou quand comment quoi, c'est une blague. Ah oh, je les ai pas vus. Merde. Je me suis fait entuber, j'ai l'impression. Et la Bavière, elle est passée où là? Pourquoi la Bavière, elle s'est barrée? Ça devient la merde dans cette guerre, hein. Honnêtement. Là, on est 3500. J'aimerais bien qu'on aille rusher leur stack. Mais c'est pas possible, à chaque fois, on se fait niquer, quoi.
Allez, on rush. Des meilleures unités. Largement meilleures. Ah, il fight. Alors là, par contre, je mets pas mon roi. M'excuserai, mais. J'ai pas envie qu'il perde. Et là, si on gagne pas, je vous jure. Je me dis Wallah sur la tête de ma mère. Dis Wallah. Là, on peut pas perdre. On peut pas. Honnêtement, on ne peut pas. Ce n'est point possible. Conseil, putain, il y a un mécontent alors qu'on avait deux loyalistes. Pourquoi ils sont pas contents, eux? Désire un siège. Désire un siège. Oh, ça va, hein. Vous n'avez pas tous en avoir. Tu te calmes. On y a mis mon fils de base, mais. Pas sûr que c'était une bonne idée. Plus d'évêques. Maître espion, maître espion. Ce sera toi, comme ça, hop. Bon, c'est quand que vous. Hein? Voilà. Allez! Ça passe? Mais c'est une blague! C'est une putain de blague! C'est vraiment une blague! Arrêtez de se foutre de la gueule du monde! On est plus nombreux et on se fait écraser! C'est juste pas normal! Moi je dis non! Non, c'est non! Non, je suis pas d'accord! En plus, on a les occupations, mais à cause des. Depuis qu'ils ont changé leur système à la con, là, les occupations, ça change plus à rien. Honnêtement, vous pouvez occuper tout le pays, ça ne sert à rien. Là, on a toute la zone. Ils se font défoncer de l'autre côté. Ça change rien. C'est vraiment une horreur. Puis ces trous du cul, là, qui foutent rien encore, ça commence à me gonfler. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête ici. Et qu'on reprenne dans le prochain épisode. Ou ce sera un petit peu moins la merde. Sur ce, je vous dirai plus sur Gamingosaurus.